G100 est une organisation internationale neutre à but non lucratif qui a été créée par les entreprises pour faciliter et automatiser les échanges entre elles en utilisant un langage et des règles communes. Ce langage commun, le langage du business, c'est une façon unique, standardisée d'identifier les produits et de capturer ces informations produits pour les échanger. C'est un langage interopérable et ouvert à tous. Ça veut dire aussi le rôle majeur de G100 France dans la digitalisation et l'automatisation des échanges internationaux. En France, G100 regroupe 57 000 entreprises adhérentes de toute taille et de tout secteur. La filière vin, par exemple, représente 10 000 entreprises, c'est environ 25% des metteurs en marché. G100 France, c'est par exemple le code barre qui permet à un produit d'être identifié en caisse et de voir son prix s'afficher. Les viticulteurs, pour vous donner un exemple, utilisons les standards G100 pour meilleure traçabilité des produits, une gestion optimisée des stocks et une communication plus efficace entre les différents partenaires commerciaux. G100 France accompagne la digitalisation de la filière viticole depuis plus de 20 ans. Il y a eu plusieurs temps forts, comme par exemple la dématérialisation des fiches produits, des bons commandes de livraison, la dématérialisation des factures et aussi le référencement des produits pour le e-commerce. Un autre exemple de modernisation, c'est en 2005 avec la réglementation de la traçabilité alimentaire. Donc, pouvoir tracer les différents lots avec un code unique, le code produit G100. On aide aussi tous les acteurs de tous les tailles à se mettre en conformité réglementaire grâce au standard G100 France, notamment grâce au QR code augmenté G100. Alors, chez G100 France, l'innovation est le fruit d'une écoute permanente de tous nos adhérents et plus largement de tout l'écosystème pour permettre de co-créer ces standards en phase avec leurs besoins collectifs. L'un des exemples le plus révélateur de l'innovation chez G100, c'est le QR code augmenté G100 qui va aider les vignerons à se conformer à la nouvelle réglementation sous l'affichage des valeurs nutritionnelles et des ingrédients. Ce nouveau standard va permettre donc de partager les informations réglementaires, mais aussi de pouvoir tracer le produit, mais aussi de partager des informations sur le tri des bouteilles et de pouvoir utiliser ce même QR code pour le passage en caisse à partir de 2027.